c'est moi du café au lait là. Depuis quand tu bois du café au lait? Hein? C'est moi du café au lait et tu te tais, c'est quoi? Et le lait? Ça te va pas, non? Hein? Le café simple là, mais tu ne payes pas. Et ces cafés au lait là, tu vas payer. Hein? Et attends, où? C'est moi le café au lait, non? Calme. Le lait? Oui, mon pote, d'accord. Attends! Bon. Ok. Bon. Je vais chercher de l'eau. Et pour chaud, parce que j'ai pas assez d'eau. Et après, je viens te mettre le lait. D'accord? Va vite là. À cause de ce salopard d'Oyu là, le paysan est rentré avec mon gombo comme ça, quoi. Hein? Donc lui, il m'énerve. On va voir ça. Il y a un avocat qui m'a volé. Hé, hey, arrête. Depuis quand les avocats sont des voleurs? Un avocat? Voler un paysan comme toi? Hein? Explique-toi. Voilà. Un jour, en venant vendre mon mille en ville, un véhicule m'a ramassé à un feu. Il y avait un avocat à côté qui a posé plainte contre le chauffeur. Il y a eu jugement et j'ai gagné. On a versé des millions à l'avocat. Mais il ne m'a donné que l'argent de mes ordonnances. Et j'ai refusé. Il m'a menacé de m'amener en prison. Bon, et tu veux que nous on fasse quoi dans ça? Et c'est quel avocat? C'est Maître Raguil. Maître Raguil? Non, ça c'est impossible. Il ne fera jamais ça. Voyons, Rock. Mais Mouna, c'est une accusation très grave. Et un grand avocat avec une telle bassesse? Non. Si l'avocat a fait ce dont il l'accuse, c'est également très grave. Monsieur, nous allons prendre votre déposition et on va vérifier si ce que vous dites est vrai. D'accord. Bon, moi en tout cas, cette affaire ne me dit rien qui vaille. Ici, on a parlé au commissaire. Toi, tu es une poule mouillée. Mouna, je n'aime pas ça. Bon, ok. C'est une affaire délicate. Cet avocat n'est pas n'importe qui. C'est un émérite débatteur et de plus, il est le président du syndicat des avocats. Je crois qu'il va falloir agir avec beaucoup de tact et de circonspection. Je vais donner quelques coups de fil. Pendant ce temps, allez-y voir cet avocat. À vos ordres, mon commissaire. Je peux régler votre problème sap et direct. Ah ben. Ouais, mais il faut... Les inspecteurs sont là-dessus. Les oui? Les inspecteurs là, sont là-dessus même. Est-ce que l'inspecteur est plus grand que le détective? Ah. Viens ici. Je résume. Il y a eu 4 cas de vol dans le quartier. C'est bien ça? Oui, c'est effectif. Et tous dans la même zone. Hein. Et comme je vous l'ai dit, il y a des jeunes étrangers qui sont venus s'installer dans la cour du lac Itiemtoré. Ils sont douteux. C'est vrai, des jeunes qui boivent du thé à longueur de journée. Doucement, ce n'est pas parce qu'ils boivent du thé et qu'ils sont délinquants. Je n'ai pas dit ça. La fourgonnette est au garage.
Bon, on va prendre ma voiture. Après, je vais réclamer mon carburant. Comme tu veux, hein. Monsieur, oui. Vous venez avec nous. Oh. Ça, c'est quel commissariat, ça? Voisin, quelle bonne nouvelle vous envoie chez moi? Rien que la paix. Lagi, tu sais que nous sommes du comité local de surveillance. On est venu te voir à propos de tes nouveaux locataires. Voisin, je vous respecte beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, rien. Mais il ne faut pas attendre qu'ils fassent quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils vont faire quelque chose? Lagi, nous faisons attention à toutes les personnes douteuses. C'est tout. Voisin, ici là, c'est un célibatorium. Ils payent leur loyer. Le reste, moi je m'en fous. Hey, on va. Ah, ça va? Quoi? Ça va? Comment? Et toi? Ouais, ça va bien. Je suis encore venu au garage avec la vieille voiture du commissariat là. Encore? Voilà. Ouais, je suis fatigué même de cette voiture là. Elle est toujours en panne. Mon type, tu as une belle moto là. Ah, merci. Donc moi j'ai fait un tour. Ah non, toi aussi tu sais que c'est interdit? Un petit tour, je vais pas loin. Petit seulement, un tour rapide, je vais et puis je reviens. Ça te fait quoi? Je suis un ami ou pas? Ne me fais pas ça. Allez, donne-moi un tour ça. Un petit tour seulement, hein? C'est pas ce que je te dis, non. Parce que si on te voit gérer des sérieux problèmes. Donc tu me fais confiance? Donc je vais revenir. Ok, merci. Prends ça. Toi aussi. Installez-vous, je vous prie. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon humble étude, messieurs les policiers? Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir reçus aussi diligemment. En fait, c'est ce monsieur qui estime que vous lui devez de l'argent d'un procès où vous avez défendu sa cause. Sachant bien que vous êtes un éminent membre du barreau, nous avons pensé que cette affaire sera vite réglée. Je vous remercie, monsieur le policier, pour votre démarche. En effet, j'ai défendu ce monsieur. Il a été renversé par un chauffard qui a brûlé un feu et conduisait en état d'ivresse. Étant donc présent sur les lieux, j'ai donc décidé de défendre sa cause, qui, heureusement, a été gagnée. Une somme lui a alors été versée au titre de dommages et intérêts, que je lui ai intégralement remise. C'est faux. L'argent était plus que ça. C'est des millions. Vous voyez que je lui ai bel et bien remis la somme, avec un acte juridique à l'appui. Tenez, d'ailleurs, j'ai une copie. Ainsi que le verdict du jugement. Tenez, vérifiez par vous-même. Vous y verrez que les sommes marquées sur les deux actes sont identiques. Je croyais aider une personne démunie. Ben, vous voyez que je suis récompensé en monnaie de singe. Maître, je le disais bien à ma collègue, vous êtes un avocat bien trop intègre pour vous livrer à une telle bassesse. Oui. Et nous savons bien que vous avez même défendu des gens qui n'avaient rien à vous payer en retour. Bon, merci. Nous avons eu les éléments dont on a besoin. Laïla. Je ne savais pas que le pays a été foutu comme ça. Ça veut dire quoi? Avocats, policiers, ils sont tous corrompus. Voilà, fais attention, hein. Tout ce que tu dis là pourrait être retenu contre toi. Ça ne m'étonnerait pas. Le faible a toujours tort dans ce pays. Oui.
vite. Non. Oyu va m'entendre. Et, monsieur, excusez-moi, quoi, le lait est fini. Je vais aller juste à côté chercher du lait et je reviens tout de suite. Non, 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 je suis pressé. Il fallait faire une réserve. Aïe! Monsieur! Moi, je ne rentre plus dans votre voiture là, hein. Les corrompus là. Monsieur, calmez-vous. Il n'a qu'à s'effacer s'il veut. On a vu des gens comme ça. Ingrats. On les aide maintenant, c'est eux qui gâtent votre nom. Monsieur, venez, il faut qu'on retourne au commissariat. Non et non! Rock, tu sais, moi-même, je n'ai pas du tout confiance à cet avocat-là. Mais tu veux quelle preuve encore? Hein? Tout est clair, non? Et le monsieur a même signé qu'il reconnaît avoir pris de l'argent. Oui, il a signé. Mais ce vieux ne sait même pas lire. Qu'est-ce qui prouve qu'il savait ce qu'il signait? Monsieur, venez. Ça roule? Ça roule? Ouais, ça va. C'est bon? Je vais juste à côté là. Ah, Chaco, encore une moto. Qu'est-ce que tu crois? J'ai commandé deux, c'est ça qui est venu d'abord. Petit policier a une moto comme ça. C'est la police qui est pauvre, hein. C'est pas les policiers. Qu'est-ce que tu... Hey, monte, on va partir. Monte, je vais faire un tour. D'accord. À toi. Pas de problème. Mets la ceinture de sécurité. Quelle ceinture, ça? Ah, attrape-moi. Oh, arrête ça. Mets les trucs. Allons-y. Faut serrer. Ça va comme ça. Ah, bon. Vas-y. C'est bon? Faut serrer. Ben, vous avez bien fait de venir nous prévenir. On nous a signalé des cas de vols répétés dans la zone, mais on ne savait pas et on n'a jamais su qu'il y avait des étrangers dans le quartier. Oui, commissaire. Ces jeunes-là, ils ne sortent jamais. Hein. Vous ne pouvez pas le savoir. Ah bon? Écoutez, suivez leurs faits et gestes. S'ils bougent, prévenez-nous. Je t'ai eu. Alors, terrain, ça va? Ça va où ça? Hein? Moi, j'ai bu ton médicament avec toute une boîte de lait. Résultat, diarrhée intense. Ça ne va pas du tout. Je t'ai dit, une cuillerée de lait. Tu vas prendre toute une boîte. Ça ne peut pas aller. Attends, je vais te donner un médicament. Tu vois cette poudre? Effet instantané. Tu mets dans de la bouillie de blé. Bouillie de quoi? De blé. Et tu bois. Et ça ne coûte même pas cher. 6 000 francs seulement. Moi, je ne vais rien payer. Tu entends? Où veux-tu que tu trouves du blé? Tu es un faux type. Hé, hey, mais où tu vas? Reviens prendre ça cadeau. Banque. Moi, mettre mon argent en banque, jamais. J'adore le palper, le compter et le recompter. C'est tout, brigadier. Voilà, un bon café chaud chaud là. Oui. À vos ordres, brigadier. Yeah. Ton ami vient d'arriver. Voilà. Ici. Donnez-moi ça comme ça. Repos, viens t'asseoir. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Oyou, où est mon lait? Au lieu de m'aider, tu iras me menacer. Quand je serai guéri là, je te poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Dieu, et dis-moi, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au nez et j'ai la diarrhée aussi. Dieu? C'est bien fait pour toi. Ah ouais, c'est bien fait. Tout ça là, c'est à cause de l'alcool. Tu vois, tu bois trop d'alcool. Hein? Problème de rein. Insuffisance rénale. On va voir qui va enlever son rein, te donner, et puis tu vas le tuer avec l'alcool. Chouchou, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Jésus ne coûte même pas les alcooliques. Silence. Bon, moi je connais un bon guérisseur. J'ai fini mon café et on y va. Un guérisseur? Quoi? Tu es malade, oui ou non? Hé, hey, les jeunes là, il faut me classer cette affaire de l'avocat là. Hein. Mon commissaire, après demain, exécution, point. C'est tout. J'écoute. Rock, il y a des jours, le commissaire m'énerve. Il faut le comprendre. Peut-être qu'il a dû recevoir un de ses coups de fil venant d'en haut. Justement, c'est ça qui me fait croire que cet avocat a des choses à cacher. Et moi, je dis non. Il t'a payé ou quoi? Je vais te prouver ce que je dis. Et moi, je vais prouver le contraire. Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. On mène l'enquête, on vous contacte s'il y a de nouveau. Merci, ma fille. Toi, au moins, tu me crois. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Voilà. Tu crois que c'est malin de ne lui avoir pas dit que l'affaire est classée? Oui, parce que je sais que j'ai raison. J'ai d'ailleurs une idée. Voilà. Brigade, c'est ici sur le féticheur là? Non, une minute seulement, je vais vérifier mes numéros. Et puis on va continuer, tu as vu? Ah oui. Oui, monsieur. Où on peut trouver les toilettes? C'est à vous que je parle. Je ne suis pas d'ici, je suis de passage. Il fallait me dire ça tout. Salaud! Je ne vous permets pas, hein? Salaud! Hey, lève-toi. Aide-moi. Allez, viens. Viens, lève-toi. Yeah. Toi aussi, tu pèses, hein? Ouais. Toi là, tu me portes malheur. À quoi de toi on est tombé? Sinon, moi, j'ai fini avec la moto. Tu es malade. Hey! J'ai demandé si tu es malade. Faut me parler comme ça. Pourquoi me dis que je porte malheur? C'est à cause de ce petit caillou-là. Tu me renverses et de sur quoi tu me dis que je porte malheur? Moi, que vous pouvez me faire tomber? Va là-bas. Moi, j'ai fini avec là-bas. Moi, j'ai fini avec la moto. Va là-bas. Ça, là, ça peut me faire tomber. C'est ça qui nous a fait tomber. Toi, tu portes malheur, ouais. Quitte là-bas. Laisse-moi tranquille. Ce n'est même pas ça. Je ne sais même pas quoi dire à mon ami. Ça ne me regarde. Qu'est-ce qu'il va mettre dans son rapport? Un bon. Hein? Chakou. Quoi? C'est pas ta moto. J'ai gagné, ouais. Un autre même. Oyou, ah, moi je vais pas t'attendre, hein. J'allais chercher mon gain. Ah, toi aujourd'hui on va te jeter. Allez, on y va. Ton. Une fois encore, ravi d'avoir fait votre connaissance. Monsieur le bâtonnier, c'est à moi de vous dire merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. À la prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir. Le
les mains à l'air. Les mains à l'air. Tais-toi. Celui qui s'est mis, j'ai dit ici les jambes. Allez, les mains à la nuque. Avancez. Avancez. Il n'y a pas de justice dans ce pays. J'ai parcouru tout le palais de justice. On m'a menacé de me jeter en prison. J'ai laissé tomber. Je suis en train de réunir des éléments sur lui. Vous êtes l'une de ses victimes. Et si vous acceptez de collaborer avec nous, on vous rendra justice. C'est vrai. Inspecteur. Poupette. Inspecteur. Où est brigadier? Il est dans le bureau du commissaire inspecteur. Et Jacou? Jacou, il a fait un accident et le commissaire lui a fait une mise à pied. Ok, enferme ces deux tocards là. À vos ordres, inspecteur. Tu étais où? Pendant que tu te baladais, je travaillais moi. Moi aussi, je travaillais. Inspecteur, il y a un problème. Le commissaire vous cherchait. Il est dans son bureau avec Maître Raguil. Il a fait venir le plaignant. Ok, enferme ces deux tocards là. Voilà. Non mais, c'est pas possible. On dirait que tous mes agents veulent me créer des problèmes. Si c'est pas Jaco qui déconne, c'est le brigadier qui s'en va jouer au PMU aux heures de service. Rock. Félicitations. Le président du comité de veille m'a appelé et m'a expliqué comment, à toi tout seul, tu as pu mettre hors d'état de nuire les bandits qui écumaient le quartier. Mouna, qui vous a autorisé à poursuivre l'affaire Maître Raguil, que moi-même j'ai classée? Mon commissaire, je vous présente mes excuses. En fait, ce n'est pas de l'insubordination. Dans nos enquêtes, nous avons trouvé des clients de notre cher avocat qui ont tous été victimes d'escroquerie de sa part. Quoi? Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Ça va vous coûter très cher. Inspectrice, vous avez enfreint mes ordres. Oui, allô? Mes respects, monsieur le bâtonnier. Oui, ils sont tous devant moi. Oui? Non, nous ne faisons que notre devoir, maître. Je vous remercie. Au revoir, monsieur le bâtonnier. Vous. Les données ont changé, les gars. C'est monsieur le bâtonnier qui venait de m'appeler. Il m'a dit que l'ordre des avocats surveillait les agissements de maître Raguil, qui n'honorait pas du tout le barreau. Et que le résultat de votre enquête était l'élément manquant pour engager la procédure de sa radiation du barreau avec poursuite. Quant à vous, monsieur, je pense que très prochainement, vous allez rentrer dans vos droits. Voilà. Tu as fait un bon boulot. Brigadier. Mon commissaire. Tu vas me conduire cet avocat dont les actes n'honorent pas ses pairs au bâtonnier qui se chargera de lui. Au commissariat de Tampi, les faux bons avocats sont démasqués et radiés du barreau. Allez, suis-moi. Allez, lève-toi. Vas-y, lève-toi.